Attendez pas à ce que ça aille aussi vite. Dans les conduites 4, 17 et 33. Montez en pression dans les conduites 4, 17 et 33. Montez en pression dans les conduites 4. Protocole accepté. Brèche détectée. Bonjour. Montre-lui comme tu es grande. Très grande. Bravo. Et tu chantes? Ainsi font. Tu chantes bien. Et le tu me manques? Tu me manques. Et le je t'aime? Je t'aime. Oui, c'est bien. Tu peux dire j'ai hâte de te voir. Et au revoir. Ici UNSC Pélican Echo 216. Vous me recevez? Ici.
UNSC. Que les accumulateurs ont grillé. L'armure est désactivée. Mode de survie enclenché. Je vais essayer de le surpasser. Ok. Si vous m'entendez là-dedans, j'espère que vous êtes prêts. Ne mourrez pas. Pitié. Ne mourrez pas! Chez nous! Content de vous retrouver, Major. J'ai rerouté le peu d'énergie que j'avais dans votre armure. J'ai vu un souci dans la matrice de calibration. Enfin, je crois que ça vient de cette matrice. Ok, suivez la lumière. Essayons en haut. Essayons en bas. Ça a l'air bon. On essaie à droite. Reste plus que la gauche. Votre flux vidéo et vos fonctions motrices semblent opérationnelles. Mais on dirait qu'il y a un souci de servomoteur dans vos mains. Bougez-les. Pas de panique. Vous avez été longtemps dans le coltard. Je crois qu'il y a un outil pour réaliser un diagnostic de votre armure. Oh, tout doux, Major. Vous n'êtes pas... Votre rapport. Mon rapport? Hein? Il faut que je vous montre un truc, Major. On a perdu. On a tout perdu. Il reste plus rien ici. Je sais même pas où c'est ici. Oh non. Non. Pas encore eux. Pas cette fois. Il faut partir. Il me faut une arme. Une arme? J'ai rien d'autre. Ça suffira. Quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Improviser. Fermez la porte. Thank you.
Et maintenant? On ira nulle part tant que le rayon sera actif. Alors on coupe tout. Le rayon de stase, les armes, la totale. Mais... et vous dans tout ça? Je trouverai une solution. Vaisseau ennemi immobilisé dans le rayon de stase. Premier scan non concluant. Déployez l'escouade dans le hangar 1. Éliminez tous les survivants. Éliminez ? Major, je sais pas ce que vous prévoyez, mais affolez-vous ! Elle est où l'arme? Ah, ça la remplace par celle-là. Alors scénaristiquement c'est de la merde. Mais... hop. Mais ça reste un bon FPS. Ça a tué. Nous devons suivre ce présent. Nous ne courbons pas les chiffres. Nous ne cédons jamais aux fausses idoles. Nous devons rester. Cet hologramme. C'est Atriox. Il a mené l'assaut contre l'Infinity. Il cherchait quelque chose. Il a tué tout le monde. Je sais, je l'ai déjà croisé. Ensemble, nous sommes invincibles. Nous sommes les païens.
nous sommes intéressamment. Tu as des hallucinations. Il est à bord du Bracon en ce moment. Nous devons suivre ce réensfinir. Tu as une pire paniche. Nous ne serons jamais de fausses idoles. Nous devons rester unis et combattre ensemble. Nous donnons nos vies pour protéger notre foi. Atriox nous a montré la voie. Ensemble, nous sommes invincibles. Nous sommes les Atriox. Base de chute 763, capacité atteinte. Préparez-vous au déploiement. Extracteur d'énergie 256, préparez-vous au déploiement. J'en ai pas d'autres là? Si, ils sont chiants à tuer. Base de chute 662. Début des préparatifs finaux. Déjà gagné. On est peut-être les deux derniers humains encore en vie ici. Alors il y a de l'espoir.
Oh, le cri. Ah merde. Ah bah voilà. J'adore le grappin dans le jeu. Ah putain. Merde, j'en ai plus. Ah, c'est réglé. Je lance une bombe. Y'en a plus ? Les humains doivent mourir. Sans blague. Il est passé où ? Il est passé où ? C'est pas un... Il n'y a pas d'infiltration dans le jeu, donc... Prépare-toi à combattre. Son éclair, tu es faible. Affronte-moi. Les brutes vivent. Je suis réduit. Oh, les dialogues. C'est vraiment de la merde. Thank you.
Vers. Ah, c'est pas la même arme. L'heure est proche. Bientôt, les Parias auront remporté la victoire. Atriox, entends mes paroles. Même par-delà la mort éternelle, ta volonté est faite. Maintenant, tes forces occupent l'anneau. Dans quelques heures, il sera sous notre contrôle. L'humanité tremblera devant ton héritage. Tous, ils brûleront. Leur défiance hautaine ne sera plus qu'un souvenir. Problème. Ah bon? Non, on doit ficher le camp d'ici. J'y travaille. Dépêchez-vous. Le Pélican sera bientôt à bord et on n'a toujours pas de jus. Les laissez pas m'avoir. Contre-toi, humain. Ne te cache pas. Qu'est-ce que tu as ? Ah, c'est très intelligent, ça. Allez. Je vais te prendre,
J'avais oublié qu'il y avait ces fils de pute là qui sont super durs à tuer. Reviens ici. Bon. Enfin, disons qu'ils sont. Qu'ils font très très mal quoi. On va prendre leur arme parce que ça fait très très mal. Le problème c'est que j'ai pas envie de... Attends. Hein ? Eh ben, elle est passée où ? Ah, elle est là. Non. Bon, bref, c'est pas grave. C'est bloqué. Il faut le pirater. Ok. Et vous savez faire ça? Non. Nouveau plan. On s'aborde le vaisseau. Vous allez détruire ce vaisseau? Pendant qu'on sera à l'intérieur? Ok, cette fois c'est sûr. Je vais mourir ici. Des conduites de refroidissement partent vers les propulseurs principaux. Et? Je vais un peu réchauffer l'atmosphère. Sérieux? Bordel de merde.
sur ça, humain. Forcément plus beau que sur Xbox One. J'allais pas acheter une Xbox Series, pas déconner. C'est fini ? Ah, c'était une catastrophe. Force, lève la difficulté.
courage. Change de cœur. La température intérieure est en hausse.
localiser l'UNSC Infinity. UNSC Infinity, classe, super transporteur, équipage, 7150 hommes. Non trouvé. Scan du périmètre proche. Nombre de plaques UNSC détectées, 1986. Statut. Décédé. Le Major est en vie ? Atriox nous avait pourtant annoncé sa mort. N'êtes-vous pas furieux ? Non. En fait, je m'en réjouis d'avance. Et vos promesses de vengeance, de supériorité, de repos, il compromet tout cela ! Est-ce que tu douterais de mes compétences et de la vision d'Atriox ? Atriox est mort ! C'est de sa faute si nous sommes ici. Les parias ne s'inclineront plus devant personne. Ni les Covenants, ni les Prophètes, ni elle. Cet anneau sera opérationnel. Pitié. Et tu auras ta revanche. Maître d'épée, suis le Sparta sans te faire prendre. Je veux absolument tout savoir à son sujet. La série, c'était vraiment de la merde. La série live action, j'ai détesté. Connexion à l'armure demandée. Ok. Message crypté obtenu. Lire. Tentative de décryptage. Échec du décryptage. Localiser la source. Triangulation en cours. Triangulation en cours. C'est bon, on a terminé, Major ? Si on reste encore ici, ils vont revenir. Ils vont nous trouver et nous tuer. Qu'est-ce que vous cherchez ? Correspondance. Signal repéré. Itinéraire chargé. Y'a rien par là. Vous cherchez pas au bon endroit. Il faut qu'on rentre à la maison. Calcule l'itinéraire. Surpassement des commandes de vol manuelles demandées. Ok. Pilote automatique activé. Attendez, quoi ? Vous êtes sérieux ? Pourquoi est-ce qu'on irait là-bas ? Les parias veulent nous anéantir. Jusqu'au dernier. Et alors ? Vous croyez qu'on va les arrêter tout seul ? Je vous l'ai déjà dit, on a tout perdu. On a besoin d'aide, pas de héros. C'est faux, c'est notre devoir. Nous devons protéger l'humanité, à n'importe quel prix. Je peux pas être le seul. Entrez dans l'atmosphère, pilotage automatique désactivé, dans 5. On a une nouvelle mission, soldat. 4. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a en bas ? 3. Une arme. 2. Encore une arme ? 3. Vous en avez pas déjà assez ? C'est quoi votre problème ? C'est la dernière fois que je sauve un Spartan. C'est une très mauvaise idée. Ils vont nous tomber dessus. Tous. On approche. Ils arrivent de partout. C'est trop risqué. Repliez-vous. Ok, ok. T'achètes pas une série X pour avoir un jeu pas super beau non plus. Bon, après, heureusement. D'un côté, c'est bien et c'est pas bien, quoi. Attention, nombreux vaisseaux paria en approche. Mec, t'as une série X, tu joues à quoi ? Tu joues à des jeux dégueulasses comme. Allez! Mais qu'est-ce que tu fais? Visez, Sparta!
sérieux, toi? Je ne crains rien ici. La meute se réduit. Ah, mais putain! Je trancherai ta tête dans la ceinture. J'essaie de jouer jusqu'à ce qu'il arrive sur le halo. Après j'arrête parce que c'est chiant. C'est un GPS, donc c'est... Attention Major, navette de transport en approche. On dirait que tout cet endroit est en train de mourir. C'est presque comme... comme s'il luttait pour s'accrocher à la vie. Mais comment c'est possible? Chaque anneau est différent. Je vois une entrée dans ce mur, devant. Allez-y. Trouvez cette arme. Et quand ce sera fait, on fiche le camp d'ici, ok? Ouais. Cachette ne te sauvera pas. Je lance un grenade. Oh, humain. Ce n'était qu'un avant-goût. Il est passé où, ce fils de pute? Dans cette armure, il y a dans ce champ. Qui ça? Ah. Oh, où il est? Non? Je vais pas utiliser une grosse arme comme ça pour... Faut des munitions là. Faites gaffe, il en arrive d'autres. Vous les avez vraiment mis en rogne. Faut des putains de munitions. C'est quoi ça? Ouais. Ils ont fait n'importe quoi avec la série. Ils sont allés trop loin. Ils ont fait que de la merde. Je veux bien qu'il y ait des changements, mais là, ils sont allés trop loin dans la série. Ils ont fait le mec, c'est devenu... Le Spartan, c'est devenu un psychopathe. Il est devenu complètement malade. Il se met à baiser. Il se met à se foutre à poil. L'autre, elle se met à se teindre les cheveux en rose. Ils sont allés beaucoup trop loin. C'est-à-dire, je veux... Des changements à la One Piece, je veux bien, mais là, ils sont allés trop loin, les mecs, là. Faut un certain équilibre. Ils ont pété un câble, les mecs. Qu'il y ait des changements, je veux bien, mais là... Ah, ils ont complètement pété un boulon. Ah, merde! J'avais déjà tué. Ok. Et merde, je vais crever. Yeah.
d'où ces putains de munitions? J'ai presque plus rien. Ah, j'aurais dû faire ça. Humain, mourir. Récompense pour Kigar. N'importe quoi. Pourquoi j'ai pas de munitions, bordel? Merde. Allez, 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 allez. Oh merde. C'est con. C'est con. C'est vrai, c'est vrai. Super. Fais chier, putain. Elle était bonne, cette arme. Tant pis. Tu es quoi? Sauvez-moi! On savait! Humain! C'est quoi ça? C'est quoi cette arme de PD? Oh, ça leur fait rien. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. J'arrive pas à les tuer.
Pourquoi j'ai pas des munitions, bordel de cul? Faire si j'ai pas plus de munitions là. Les meilleures armes. Il est mort. J'ai aucune munition, j'ai rien. Ouf. D'accord. J'ai des armes de merde. On va pas aller loin avec ça. Oui, ce serait une bonne idée. Ils vous attribueront une autre IA. Peut-être même un autre modèle Cortana si elle sait les laisser. Ce ne sera pas moi. Et vous le savez, n'est-ce pas? Aucune munition, y'a rien quoi. Complètement à poil. Putain, y'a encore des ennemis. Non. J'aime pas ces armes. Non. Oh.
c'est abusé, ils sont beaucoup trop nombreux, j'ai des armes de merde. J'ai presque plus de munitions. Quasiment plus rien. Su à Walpé. Je crois que c'était aussi casse-couille avant d'arriver jusqu'au Halo. Il va crever, oui. Je veux que tu crèves. Bah moi aussi. Ta douleur me met en joie. Bah, il est sérieux lui. Ta douleur me met en joie. Qu'est-ce que c'est que ces dialogues pourris quoi. Mais à part l'anglais. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Forerunner, pas vrai? J'ai entendu les histoires, mais c'est encore plus fou que ce que j'imaginais. Question bête. Comment vous savez que c'est pas un piège? J'en sais rien. Super. J'espère que cette arme vaut le coup. Je vois plusieurs vaisseaux ennemis qui se dirigent par ici, beaucoup trop. On n'a plus beaucoup de temps. Ça fait 6 mois. Où étiez-vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est Cortana? L'IA rebelle nommée Cortana n'existe plus. Elle a été supprimée. Comment? Par toi? Bien sûr que non. Vous vous êtes cogné la tête ou quoi? Vous ne vous souvenez pas? Mes instructions étaient entrer dans cette installation, imiter Cortana et la neutraliser pour qu'on la ramène. Les vôtres étaient de la ramener sur l'Infinity pour qu'on la supprime. Alors si ce n'était pas vous... Ok, donc... Il y a autre chose. Après le déploiement, mon programme de suppression était supposé s'exécuter. Je suis toujours là. Bien. Bien? Mon programme a échoué, je ne suis pas supposée être là. Vous devez me supprimer.
Non. Non ? J'ai été créée dans un seul but et ce but est maintenant obsolète. Ma mission est terminée. Nous en avons une nouvelle. Les parias ont l'intention de déployer cet anneau. Nous devons tout faire pour les en empêcher. Avant toute chose, qu'est-ce qu'un paria ? Et puis, vous avez peut-être remarqué qu'une bonne partie de cette installation a été endommagée, ce qui rend tout ça impossible. Et enfin, pour déployer l'anneau, il leur faudrait un index d'activation. C'est Cortana qui avait l'index. J'en ai aussi quelques morceaux. Quelque chose a empêché ta suppression, et on doit découvrir pourquoi. Mais ce n'était pas ça, la mission. Les missions changent. Elles changent toujours. Vous êtes sûr ? Qui a fait ça ? Non. Mon retrait a déclenché une réponse de l'anneau. Vous devez comprendre. Il ne reste plus beaucoup de temps. Si vous connaissiez les circonstances de votre mort, agiriez-vous différemment ? Cette voix, c'est celle de Cortana. Non, ce n'est pas elle. Juste un résidu, un écho. Qu'as-tu dit ? Ce sont juste des données qui bouclent jusqu'à ce qu'elles n'aient plus d'énergie. Il y en a partout autour de nous. Aujourd'hui, on m'a taxé d'automates sans cœur. Ils ont vu les visages. 75 sujets en pleine santé, tous choisis par mes soins. Parfait pour le programme. Tous ne survivront pas. J'en suis consciente et je l'assume. En grande partie. Il y a un sujet en particulier dont je souhaite la réussite. Il semble parfait pour la tâche à venir. On lui a attribué un numéro. 117. Il y a quelque chose devant nous. Quelque chose qui m'appelle, je le sens. Ah. Chier, merde. Comment ça me casser les couilles, j'ai presque plus d'armes. Et leur arme, c'est de la merde. C'est eux les parias ? Affirmatif. Ils sont encore plus mauvais que je le pensais. Alors tu peux les sentir. Eh bien, le réseau de capteurs de votre armure les sent. Moi, j'analyse les données. Quant à vous, vous sentez plutôt bon. N'importe quoi. Cette arme, elle est pas mal, par contre. Tu meurs ! Prends-moi mes armes ! Et pas bien ! C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est bien. J'ai presque plus d'armes encore une fois. Je suis dans le fil du rasoir, j'en ai ras le cul quoi. Le mec il s'est pas lavé pendant des années, la meuf elle sort. Vous sentez plutôt bon. C'est pas possible, le mec il est resté dans l'espace pendant des années, ce connard. Comment il peut sentir bon ? Arrête de dire de la merde là, s'il te plaît.
plus, il a pas enlevé sa combinaison depuis des années, quoi. Donc, elle raconte que de la merde, celle-là. À moins que la sueur et le caca, ça sente bon. Bon. Ben voilà. Regardez, de ce côté, c'est la source. Le pont a disparu. Oui, il y a peut-être un moyen de le réactiver par ici. Ils vous attribueront une autre IA. Peut-être même un autre modèle Cortana si elle sert à l'esphère. Ce ne sera pas moi. Mais vous le savez, n'est-ce pas? Ah, faut que j'arrête de dire des conneries, là. De moi qui a été supprimée. Laissez-moi juste. Vous êtes ici parce qu'on vous a choisi. Nos ennemis sont plus intelligents et plus nombreux chaque jour. Ce que je vais vous montrer vous aidera à remporter cette guerre. Je me suis attelée à adapter la puissance stratégique d'une IA de bord pour un usage sur le terrain. Vous êtes prêt? Oui, Dr. Halsey. Contrairement au modèle précédent d'IA, elle résidera entre votre esprit et l'armure et communiquera directement avec votre interface neuronale. Voyez-la comme une nouvelle paire d'yeux qui améliorera vos réflexes et facilitera la reconnaissance. Ce n'est pas le pilote, mais un excellent moyen de prendre l'avantage. Comment dois-je l'appeler? Demandez-lui. C'est elle qui s'est nommée. Bonjour, Major. Je suis Cortana. Ensemble, vous formez un nouvel espoir. Ensemble, vous êtes la clé de la survie de l'humanité. Elle fera tout ce qui est nécessaire pour assurer le succès de votre mission. Même si pour cela, elle doit se sacrifier. Ou vous sacrifier. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai touché et... C'était réel? Ce ne sont que des données. Qui sont stockées là. Des paquets de codes récursifs. Mais ça, en revanche, c'est le système dont je me suis servi pour emprisonner Cortana. Il contient une copie de l'index d'activation, ou du moins des fragments. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On en a besoin. Eh bien, d'après ce que vous m'avez dit jusque-là, la question serait plutôt... Est-ce que les parias en ont besoin? Vas-y. Ah. Ah, d'accord. Je croyais qu'il y avait un bug. Ah, la meuf s'appelle Arme. D'accord. Ça... C'était pas rien. Allez, en route. Ah.
J'aimerais aller sur le halo là parce que c'est chiant en vérité. Ça n'a aucun intérêt. C'est un bon FPS, mais à part ça. Enfin. Est-ce que j'aurais loupé un truc? Un fichier a été déverrouillé, mais je n'y ai pas accès. On doit trouver comment sortir d'ici. Ok, voyons. Il y a une brèche pas très loin. Elle devrait nous mener à la surface. Scénario, je m'en bats un peu les couilles. Hein. C'est comme Doom. C'est des jeux, il n'y a pas de scénario. Quoi. Et c'est de la merde. Il n'y a pas de scénar. C'est juste un FPS, quoi. Sans scénario, sans cervelle, sans rien. C'est de la merde. Mais au moins, c'est un bon FPS. Hein. Quand est-ce que je vais dans le halo, là? Laissez-moi une seconde que je puisse activer ce pont. On a de la compagnie, Major. Retrouvez-moi au socle, à l'avant. Surprise, une marine ! T'es gravouillé ! Cette arme, elle est stylée, mais j'ai déjà plus de munitions. Ok. Ah. Pas dégueu cette arme. Quoi? Ah ouais, j'ai que des armes, d'accord. L'autre arme, je l'ai laissé tomber. Alors, j'ai pas envie de me débarrasser de cette arme, mais j'ai presque plus de munitions. Oh, ok. Vous avez fait vite? Vous n'êtes vraiment pas du genre à traîner, vous. Non. C'est noté. Allons-y. Merde.
Et merde. Non, 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 non. Ah, va te faire enculer. Moi, tu sais pourquoi on a une vue à la première personne. Tu comprends. Hein, dans Cyberpunk, tu sais pas. Ah merde, j'ai oublié de récupérer. Non, mais c'est bon, j'ai compris. J'hésite. Elle est bien cette arme que je possède là. Ah. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Cet ascenseur gravitationnel devrait être activé. On va devoir trouver un moyen de le relancer. Il est où? Absolument réactiver cet ascenseur gravitationnel si vous voulez regagner la surface. Je récupère un objet. Je récupère un objet. Oh putain, non c'est bon, je pensais qu'il... Attends. On n'ira nulle part tant qu'on n'aura pas activé l'ascenseur gravitationnel. Ah oh, putain, elle va répéter ça non-stop. Je sais, je dois récupérer un objet, je sais pas où il est. On devrait peut-être regarder là-haut.
Ah bah voilà. Il faut absolument réactiver cet ascenseur gravitationnel si vous voulez regagner la surface. Cet objet, il fait partie de la force vitale de l'anneau. On appelle ça un noyau d'énergie. Major, arrêtez. Est-ce que c'est un Spartan? On doit découvrir ce qui s'est passé. Elle portait un module de bouclier amélioré. Voyons ce que je peux trouver sur elle. Accès en cours. Spartan Bonita Stone, spécialiste en reconnaissance. Ses fonctions vitales se sont arrêtées il y a presque un mois. Elle a été tuée avec une épée à énergie, mais différente, plus puissante. Un seul coup. Elle n'a rien vu venir. Ça me fait penser à... Augmente la quantité de tirs soutenus. Ouais, bon, c'est un bouclier, quoi. C'est un bouclier plus résistant. Ça me fait penser à... À Metroid. Tu es l'humain. Putain, je suis en train d'user des munitions là. Mais Metroid c'est nul, sauf Metroid Other M. Ça c'est bien. Il y a un scénario, il y a une intrigue, il y a une histoire. L'ascenseur devrait nous mener à la surface. Ah mais sa mère. Celui qui tue toi est grand héros.
pas ce que je voulais faire, mais... Putain. Ah ouais. Ah bon? D'accord. Ça c'est une arme qui utilise des munitions. J'avais vu des... pour recharger des munitions. Il faut qu'on appelle l'ascenseur. Cherchez le terminal de contrôle. Attends, j'aimerais... Il y avait pas un truc pour recharger les munitions, là? J'ai eu un truc jaune, là. Ah, ben voilà. Ouais, je capte pourquoi le jeu est à la première personne, hein. En mode... Mais pourquoi il est à la première personne? C'est quoi l'intérêt? Avec Cyberpunk, je comprends pas. Tu passes plus ton temps à discuter avec des PNJ qu'à tirer sur des ennemis. C'est pas un first-person shooter. Et puis c'est des mauvais, le jeu. Enfin, en tant que first-person shooter, c'est un mauvais first-person shooter, quoi. Je dis pas que c'est un mauvais jeu, mais c'est pas un bon first-person shooter. C'est pas un bon FPS, quoi. On comprend pas pourquoi on est à la vue à première personne. Ça n'a aucun sens. C'est complètement con. Là, je comprends, Les foutages de gueule Cyberpunk, ils ont vraiment déconné. Hein. Tout ça pour pas faire des animations, c'est quoi? Cet ascenseur puise son énergie dans l'anneau. Enfin, puisait, il manque le noyau. Ah, moi j'aime pas les FPS, mais bon... En tout cas, en tant que first person shooter, en tant que FPS, c'est mieux que Cyberpunk. En tant que FPS, je parle. Parce que, moi, c'est pas... Ah, il y a encore quelqu'un qui veut me faire chier. D'accord, ok. Ok. Et casse-toi, va te faire enculer. Casse les couilles. Qu'est-ce que c'est que ça? Des réceptacles génétiques. Des boîtes de stockage Forerunner. Des Kylix. Comment sais-tu ça? J'ai été coincée dans cette pièce avec eux pendant 6 mois. Disant simplement qu'ils sont... très bavards. Est-ce que je vais arriver dans ce putain de halo, quoi? Ça devrait aller. Retournons à l'ascenseur. Putain, comment ça me casse les couilles, là. Non, mais sérieux, quoi. Alimenter le support. Ce n'est pas Forerunner. On reconnaît plutôt les parias. Tu peux le contrôler? Les yeux fermés. Enfin, pas
fermé, mais... Oh ! C'est pas la peine. Il est déjà en train de descendre. Des ennemis. Mais... Et si c'était des alliés ? Ce n'en sont pas. Les ordres d'Escaros sont de t'amener devant lui, mais il a omis de mentionner en combien de morceaux. Je savais pas qu'il y avait... Je te vois, Spartan. Kicker, tire. Tu es mon piégé. C'est quoi ce délire? Oh, oh. Il va se calmer, lui. Faire tout un tas de trucs avant d'arriver sur le halo. Enfin, sur Avis dans le monde ouvert, entre guillemets. Le semi-monde ouvert, là. Ah, c'est quoi, ça? Ça fait quoi? Voilà. Un allié. Apparemment, c'était un de leurs chefs. Ils l'ont appelé Trémonius. C'est du passé. C'est presque amusant. Profiter pour faire les pires conneries de l'univers, quoi. Là, qu'on donne un peu plus de substance au personnage, parce que là, il a aucune substance. Le héros, il n'a aucun intérêt. C'est vraiment... c'est juste une arme, c'est personne. Hein. Mais là, ils sont allés trop loin, quoi. Dans la série, ils sont allés beaucoup trop loin. Ils se sont trop lâchés, les mecs. Là, le mec, dès le début, il enlève son masque... Comme par hasard. C'est ridicule. J'espère qu'il n'y aura pas de suite, qu'il n'y aura pas de saison 2 de cette série de merde. Après, c'est pas la première fois qu'il y a un Halo en live action, mais... Plus jamais ça. Hein. Plus jamais ce genre de daube. Ça commençait bien, et puis... Enfin, vite fait, ça commençait bien, vite fait, quoi. Se dirige vers vous. Je répète, plusieurs appareils paria se dirigent vers vous. Faites attention. Sierra 117, bien reçu. J'ai essayé de vous joindre, vous avez disparu. J'ai cru que vous m'aviez abandonné. Ok, j'ai votre position, j'arrive. Tenez-vous prêt. Ah, temps de chargement. Oula, c'est quoi ce délire?
Faut plus attendre de Microsoft au niveau des graphismes, hein. C'est terminé. Hein. Ils ont une console puissante, mais bon, ils n'ont pas forcément des jeux à la pointe, comme avec comme ce que fait Sony. Sony, ils ont des jeux graphiquement impressionnants. C'est pas le cas de Microsoft. Mais ils ont des consoles qui peuvent accueillir des jeux graphiquement impressionnants, par contre. Enfin, normalement. Mais faut pas attendre de Microsoft d'avoir des jeux magnifiques, hein. C'est plus le cas. Hein. C'est... Si tu veux sortir des jeux sur plusieurs plateformes, sur PC tu peux... et sur console, tu peux pas te permettre de faire des jeux qui sont graphiquement ouf. Sinon, ça va faire une cyberpunk, quoi. Ça va être dégueulasse. Les jeux doivent sortir sur Xbox Series, sur Xbox Series S, sur Xbox Series X, et sur tout un tas de PC. Total config PC. Si tu fais un jeu avec des graphismes de ouf, ton jeu il va être buggé de dans tous les sens. Hein. Donc ça n'a aucun intérêt de faire ça. Donc graphiquement, tu peux pas faire des jeux hyper beaux, quoi. C'est pas possible. Je suis tenté, mais cette arme-là, je l'aime bien, quoi. Ça permet d'améliorer les... Accéder aux améliorations des menus de campagne pour installer le module. Bon, on verra ça plus tard. Encore un Kilix. Celui-ci est ouvert. Qu'est-ce qu'il y avait dedans, d'après vous? Un nouveau problème. Quel cynisme, c'est peut-être une bonne chose. Crois-moi, il y a peu de chance. Je crois qu'on commence à monter à la surface, là. Non, par contre, autant celui-là je le tolère, autant Doom... Non, je veux pas. Doom, ça va trop loin. Celui-là, à la limite, ça peut passer. C'est pas génial, mais ça peut passer. Mais alors, Doom, c'est vraiment de la merde, quoi. Ça, c'est plus possible. Doom, c'est du vomi. Ça, je peux pas. Ça, c'est même pas la peine, quoi. Même pas j'y touche avec un bâton. Et la version... Cool. La version VR, c'est une merde. Merde absolue. C'est une merde absolue. C'est à la limite Cyberpunk, c'était comme ça. J'aurais fait ok, je comprends pourquoi c'est un FPS. On sort d'ici. Le terminal, de ce côté. S'ils nous forçaient à toujours jouer en FPS, j'aurais fait ok, je comprends pourquoi je jouais là la première personne. Mais c'est pas le cas. Cyberpunk, tu peux jouer en infiltration. C'est avant tout un. Cyberpunk, c'est The Witcher dans le futur. C'est The Witcher dans un monde. Dans un monde cyberpunk, tout simplement. C'est tout, quoi. Donc, c'est juste que les mecs, c'est plus facile pour eux que de faire un FPS que de faire un TPS. Ils ont pris la voie de la facilité, c'est tout. Ah, comme par hasard, il n'y en a plus. Non, putain. Ah, mais c'est une blague. D'accord, super. Donc, c'est un bon gros gâchis. À mes yeux, c'est un bon gros gâchis, quoi. Il y en a qui acceptent de se faire enculer à sec. Bon, moi aussi, hélas, j'ai pas le choix. Parce que j'ai acheté le DLC et j'ai acheté le jeu. Mais ça fait chier. Ça fait chier. Donnez-moi juste une seconde. Je devrais parvenir à prendre le contrôle d'ici. C'est long, là. Ainsi, Trémonius est tombé.
vaincu par la puissance du Major. Mais ne vous leurrez pas, il n'était pas le meilleur des parias, il en était même loin. Je réalise maintenant que nous n'avons pas été présentés. Moi, bien sûr, je vous connais, Spartan. La légende, la crainte que vous aspirez est admirable. L'espoir que vous faites naître chez vos semblables est déplacé. Je veux que vous aussi sachiez mon nom, connaissiez ma légende. Sinon, comment pourriez-vous m'implorer? Je suis Escarom, chef de guerre des Parias. Ceci est mon monde désormais. Quant à vous, il vous reste peu de temps à y vivre. Regardez cet endroit, tellement... moche. Plein de monstres déterminés à nous tuer. Il va falloir que vous me dégagiez un endroit où me poser. On approche. L'avant-poste est attaqué. Trémonius est tombé. Mange ça, c'est pour toi. Spartan, fais ! Meurs facilement ! Ah mais... oh c'est pas plus... ok. Ok... Ah mais ils viennent à l'infini ou quoi? C'est quoi ce bordel? Ah bon, qu'il y avait pas de vide. Tiens, cadeau. Et c'est pas une arme.
mon poste, Trémonius. Encore, tuez le Spartan sur le champ. Quoi ce bordel? Pourquoi cette merde? Sa mère! Il y a plein de trucs qui ont explosé à côté de lui, je sais pas ce que c'est. Il est où ce con? Tu m'entends? Il me l'a! Ah, d'accord, je m'étais trompé de bout. C'est quoi ça? Générateur de bouclier. Thank you.
Putain, mais je perds trop vite de la vie, quoi. Ça a du mal à remonter, en plus. Ils sont passés où, ces fils de pute, là? Ah! Ah mais... Quoi ça? C'est bien ça? Ah, d'accord. On est à la troisième personne. Super. C'est ainsi que cela doit se passer. Faites-les sortir de la tourelle que je puisse me déplacer. C'était le dernier. Même dans la zone est sûre. C'est relatif, enfin. Si vous arrivez à me trouver un point d'accès au système, je vous garantis que votre ami pourra se poser ici sans danger. C'est dingue ça, c'est-à-dire que même dans un vrai FPS, on a du TPS. Incroyable. Alors que ça sert à rien.
Pour le coup, là, ça sert strictement à rien d'avoir une vue à la troisième personne dans ce putain de jeu, et pourtant... j'avais carrément oublié qu'il y avait... qu'avec certaines centers, certains armes, on pouvait avoir une vue à la troisième personne. Ah. Oui. Vas-y, ils sont balés. C'est de la merde. Oh, par contre, j'aurais bien aimé. De toute façon, c'est ici que je vais m'arrêter parce que ça commence à faire long. C'est pas un jeu que j'apprécie que non plus, faut pas déconner. Hein. C'est pas parce que. Moi, j'aime pas les FPS en règle générale. Hein. Oui, je vous conseille. Trémonius, notre victoire sur la base humaine est totale. Vous avez mené nos forces avec brio. Atriox serait fier. Pour asseoir notre triomphe, nos forces sur place vont établir un nouvel avant-poste. Le premier d'une longue série sur notre nouvelle terre sacrée. Nous bâtirons cette forteresse sur les vestiges de leur échec. Tel un monument dressé à leur faiblesse et à leur lâcheté, là où tant d'entre eux ont été tués. Escarum a décrété qu'elle porterait le nom de Trémonius, afin de pousser d'autres chefs à s'illustrer comme vous l'avez fait. Il ne reste des humains qu'une poignée de soldats dispersés. La traque se poursuivra jusqu'à ce que le dernier de leurs crânes se brise. Grâce à vos efforts, ce jour approche à grands pas. Voyons voir. Les parias utilisent une variante du protocole du réseau de combat des Covenants. Plutôt simple à contourner. Et hop ! J'ai supprimé cette position de leur système. On ne risque plus rien. Zeda dégagé. C'est bien mignon tout ça, mais dites-moi qu'on peut partir. Vous avez trouvé l'arme que vous cherchiez? On peut y aller? Salut! C'est quoi ça? Cortana? Mais elle... Tout ça est de sa faute! Ce n'est pas Cortana. Dis-lui. Mais c'est classifié. Permission accordée. J'ai été créée par le docteur Catherine Halsey pour imiter la sécurité de cette station et piéger Cortana pour l'effacer. Et j'ai réussi. Cortana n'est plus une menace. Et maintenant, elle va nous aider à arrêter les parias. Oh, mais bien sûr. Je suis d'accord avec vous. Moi-même, je n'avais jamais entendu parler des parias il y a une heure. Et je me rends bien compte que nos chances sont faibles. Oui! Oui, vous devriez l'écouter. Vous allez tous nous faire tuer. C'est vraiment fascinant. Vous luttez pour survivre, alors que moi, j'ai été programmée pour mourir. Vraiment? Un suicidaire dans l'équipe, ça suffisait pas? Oh, j'essaie juste de comprendre ce que je suis censée. Attendez, je capte un signal de détresse de l'UNSC. Ça vient d'où? La source est à 4 km d'ici. C'est de là que provient le signal de détresse. Voici notre position. C'était, il y a deux minutes encore, une base d'opération avancée paria. Je dis c'était parce que maintenant, c'est à nous. Major, de quoi elle parle? Maintenant, voici la bonne nouvelle. Il y a d'autres bases avancées de l'UNSC tombées entre les mains, enfin,
Les pattes des parias. Sans blague. C'est vrai, techniquement, ce sont des pattes. On s'en fout. Chacune d'elles est associée à un territoire. Ici, c'est l'emplacement du signal de l'UNSC que j'ai détecté, et là, deux autres bases. Indique-la. On y va. On y va ? Quoi ? Là-bas ? Y a plein. Je vous attends, Major. Montez pour qu'on puisse filer. Non, pas du tout. Pour certains. Non, pour personne. J'ai une question. On m'a créé pour arrêter Cortana, mais je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'elle a pu faire de si grave ? Elle était notre cible. Oui, je comprends. Mais... est-ce que c'est classifié ? Parce que je n'ai pas toutes les informations. Major, c'est de la folie. Je vois des parias. Il y en a partout. Vous m'entendez ? Il y en a partout ! Quelles infos vous a donné le docteur Halsey avant la mission ? Halsey ne dit aux gens que ce qu'ils doivent savoir. Un pélican qui survole le territoire ennemi, personne va le remarquer. Super idée, Monsieur Muscle. Je comprends toujours pas pourquoi vous deviez l'effacer. Je trouve que ça manque de logique. Devinez quoi ? Ils l'ont remarqué. Ils l'ont tous remarqué. Et on a une structure paria droit devant. Armée. Très lourdement armée. Ça va devoir attendre, on dirait. Jusqu'où on peut aller ? Jusqu'où ? On n'a pas d'armes et vous me demandez jusqu'où on peut aller ? Posez-nous là. Là ? Vous êtes sûr de votre coup ? J'espère que ça ira parce que je peux pas tellement faire mieux. Ça suffira. Tant mieux. Moi, je me tire d'ici. Moi, je vais m'arrêter de jouer parce que ça commence à faire long. Par contre... On approche de l'origine du signal UNSC. La source ? C'est pas clair. Il y a trop de bavardage sur les fréquences paria. J'arrête pas d'entendre le mot « tour ». Ça doit être la structure qu'on a vue en arrivant. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'on va passer notre temps à tirer sur des monstres dans, dans une sorte d'open world, et ça, c'est insupportable. Quitte à tirer sur des monstres et avancer dans un couloir, entre guillemets, dans un chemin bien précis, ok. Mais tuer tout un tas de monstres dans un open world, mais putain, qu'est-ce que c'est chiant, quoi. Qu'est-ce que c'est rébarbatif et... limite, là, c'est bon, j'ai fait tout le jeu, là, quoi. Le jeu, ça se résume à ça, quoi. Tirer sur des connards avec des voix bizarres, quoi. Et tu fais ça du début jusqu'à la fin. Donc, c'est de la merde. Mais c'est pareil avec Halo, pas Halo, avec Doom. C'est pareil, tu tires sur des monstres à la con, du début jusqu'à la fin. Et c'est aussi de la merde. Ah, ça a sauvegardé, parfait. Bon, et moi je m'arrête là, j'en ai marre. C'est que ça. Le jeu, ça va être que ça. Et ça va être que ça pendant... jusqu'à la fin du jeu, quoi. C'est nul à chier.